mes championnes, quel plaisir de vous retrouver ce vendredi soir. Vous m'avez manqué et je sais que moi aussi je vous ai manqué, mais nous voilà à nouveau réunis dans la chambre des secrets. Et cette soirée dans la chambre des secrets est toute particulière parce que c'est notre talk. Le talk, vous le connaissez, c'est ce rendez-vous où nous ouvrons la porte de la chambre des secrets, n'est-ce pas, à des invités. Et ce soir, par la grâce de Dieu, nous avons des invités de charmantes femmes extraordinaires et nous avons aussi un invité très, très spécial. Ce soir, nous allons échanger autour de différents thèmes qui ont déjà été abordés ici dans la chambre des secrets. Alors, donc, nos invités, les femmes, vont poser des questions, elles vont faire des contributions, mais je ne serai pas seule, n'est-ce pas, à répondre parce que nous avons un invité très, très spécial que vous allez découvrir tout à l'heure. Si tu aimes la chambre des secrets, c'est l'occasion, c'est le moment de liker, n'est-ce pas? Tu vas aussi t'abonner à toutes les pages sur lesquelles tu t'es connecté, la page de l'Église Vase d'Honneur, ma page perso, Pasteur Liliane Sanogo, et puis surtout, tu vas envoyer une invitation à une sœur, parce que je t'assure que ce soir, c'est une soirée de bénédiction, c'est une soirée de guérison, c'est une soirée de délivrance. Tu vas permettre à une sœur de participer, n'est-ce pas, à cette visitation de l'esprit. Et puis, tu vas encore liker, like, partage, voilà. Notre invité a une phrase, il dit partagez, vous allez le découvrir tout à l'heure. Voilà, donc on est ensemble pour un moment spécial dans la présence de Dieu. Et vous le savez par-dessus tout, notre invité très, très spécial, notre invité de tous les jours, notre invité qui nous fait tellement de bien, c'est le Seigneur, c'est le Saint-Esprit. Je voudrais que tu puisses acclamer le Seigneur pour sa présence indéfectible, son soutien, son amour à l'endroit des femmes que nous sommes. En tout cas, nous le bénissons. Et pour le lui exprimer, n'est-ce pas, on va prendre le temps de l'inviter de façon officielle dans cette chambre des secrets, où il est toujours, mais on va quand même l'inviter, n'est-ce pas, pour ne pas déroger à la tradition. Et pendant que tu pries pour inviter le Seigneur, tu vas aussi disposer ton cœur, tu vas lui parler, tu vas dire, Seigneur, je suis là ce soir pour toi, je suis là pour que tu me parles, je suis là pour que tu m'enseignes, je suis là pour que tu me guérisses et que tu me fasses du bien. On va donc prendre la position qui nous sied, n'est-ce pas, et puis confier ces instants au Seigneur Saint-Esprit. Père, nous voulons te dire merci pour ces moments que tu rends possibles. C'est toujours un honneur, un privilège pour nous de venir dans ta présence. Tu nous as donné rendez-vous tous les vendredis, autant que possible en tout cas, dans la chambre des secrets. Et nous avons répondu présent, mais nous savons que tu nous as dévancés dans ce lieu. Seigneur, prends le contrôle de ces instants, Papa, que nous puissions parler sous ton contrôle, que nous puissions agir, réagir sous ton contrôle, Papa. Et qu'au final, Père, ce soit toi seul qui sois glorifié dans ce lieu. Merci de prendre ta place, Papa, et de faire du bien à une femme ce soir, de faire du bien à une famille, à un couple ce soir, dans le nom de Jésus. Sois béni, sois élevé, sois glorifié, notre Père, et nous voulons encore une fois t'acclamer, nous voulons encore une fois te célébrer, nous voulons encore une fois te rendre tous les honneurs, toi qui es au siècle des siècles. Merci notre Dieu, conduis ces instants, Père, au nom puissant de Jésus. Amen. Dis Amen avec moi. Nous allons continuer et avant que je ne puisse vous présenter nos invités, nous allons entrer dans un moment d'adoration pour célébrer l'invité très, très spécial qui est le Seigneur. Conduis-moi, Jésus, dans ta présence. Tel un époux, saisis ma main, saisis-nous et conduis-nous dans ta présence. Conduis-moi dans ta présence. Guide-moi vers ta gloire. Je voudrais voir ta face aux yeux, être près de toi. Conduis-moi dans ta présence.
Sous-titrage
Oui, Père, nous sommes tellement bénis d'être dans ta présence ce soir. Merci pour ton amour. Merci pour ta bonté, Papa. Nous savons que les mots sont insuffisants. Les mots sont tellement faibles pour exprimer l'amour que nous avons pour toi. Toi qui nous as aimés le premier, ô Dieu vivant. Toi qui au quotidien prends soin de nous. Toi qui pourvois à nos besoins de femme, Papa. Toi qui prêtes l'oreille, ô Dieu de gloire, à notre cœur, à nos voix, Père. Nous voulons te célébrer ce soir. Merci de nous convier dans ta présence. Merci encore une fois, Père, d'être présent dans ce lieu. Et nous voulons t'acclamer, Dieu vivant. Nous voulons t'acclamer. Merci, merci, Jésus. Alléluia. Alléluia. Et comme je le disais, c'est toujours un bonheur, un privilège d'être dans sa maison. Nous sommes bénis d'être là, les femmes. Il ne nous abandonne pas, il est à nos côtés, quels que soient nos défis, quels que soient nos questionnements, quels que soient nos soucis, le Seigneur est toujours là. Et vous le savez, ce n'est pas seulement dans la chambre des secrets, notre Dieu est aux côtés de chaque femme, quelle qu'elle soit. Et de la même façon qu'il est allé à la rencontre de la femme samaritaine, il veut venir à ta rencontre ce soir. Et je crois qu'au travers ce talk, il va répondre à tes prières. La chambre des secrets est ouverte et ce soir, elle est tellement grande ouverte que nous avons des invités dans cette chambre. Des invités physiques, hein, n'est-ce pas? Habituellement, elles sont là, c'est juste parce que vous ne les voyez pas. Mais aujourd'hui, on lève le voile et nos invités sont bel et bien présentes en chair et en os. Voilà, je vais donc demander à notre première invitée de se présenter, Rosemonde. Bonjour pasteur, bonjour tout le monde, je suis Rosemonde Gouan, je suis cadre dans l'administration publique et mère de deux enfants. Merci Rosemonde. Merci pasteur. Alors moi je suis Kone Aissata, je suis dans le secteur du développement et je ne suis pas encore mariée. Ah. J'espère que Noël va t'amener le colis. Amen. Amen, qu'il en soit ainsi. Amen. Alors on a notre autre invité de l'autre côté, Lynn. Je suis Asiedou Lynn Maria, je suis observatrice internationale des droits et des droits de l'homme et je suis aussi mère de deux enfants et puis mariée légalement. Amen. Voilà, donc les filles, voici vos sœurs avec lesquelles on va échanger. Ce soir, nous allons échanger sur des thèmes qui ont déjà été abordés à Secrets de Femmes, notamment l'histoire de « Mon mari ne fait attention à moi que dans le lit » ou bien la complicité entre couples ou le romantisme dans le couple, etc. Donc, autant de sujets qui, je le sais, vous ont beaucoup intéressé et ce soir, toutes les belles dames qui sont là sont vos ambassadrices. Elles vont poser les questions que vous vous posez et surtout, elles vont apporter les contributions que vous aviez envie de partager avec nous. Et je le disais en introduction, je ne serai pas seule pour faire face à cette armada de femmes, à cette armée de femmes. Alors, j'ai reçu du soutien ce soir et n'importe pas quel soutien. C'est un homme de Dieu, c'est un pasteur de la maison Vase d'honneur, n'est-ce pas? Il est établi à Bamako comme pasteur,
Pasteur Léandre. Oui, Pasteur Liliane. Bonsoir. Bonsoir, Pasteur Liliane. Bienvenue dans la Chambre des Secrets. Ah, quel bonheur d'être à la Chambre des Secrets. Et je suis vraiment dans la joie de pouvoir participer à la Chambre des Secrets aux côtés de ma mère spirituelle, Pasteur Liliane Sanogo. Et je salue toutes les championnes, toutes les femmes sages qui prennent le temps de regarder cette émission. Je crois que celles qui regardent sont des femmes sages. Amen. Et que la grâce de Dieu opérera dans leur famille, dans leur foyer et dans tous les domaines de leur vie. Voilà, donc les filles, vous l'avez constaté, notre invité est un homme. Ce n'est pas coutume dans la Chambre des Secrets, parce que la Chambre des Secrets, là, c'est la chambre des femmes. Mais ce soir, nous avons fait une place toute spéciale à un homme pour qu'il défende, n'est-ce pas, les droits des hommes. C'est et ça. Puis pour que aussi nous, en tant que femmes, on puisse lui dire ce qu'on a envie de dire aux hommes, n'est-ce pas, les filles? Oui, il faut qu'on lui parle, il faut qu'on parle aux hommes, n'est-ce pas? Et puis, il va leur transmettre nos commissions, voilà. Donc, je disais tout à l'heure que Pasteur Léandre est pasteur d'une église Vase d'Honneur à Bamako. Pasteur Léandre, c'est ouvert depuis quand, l'église depuis, de Bamako? Octobre 2020. Octobre 2020. On est église Vase d'Honneur à temps plein depuis octobre 2020. Amen. Et Pasteur Léandre est marié? Oui, à une excellente Léama, n'est-ce pas, Nadège Kessi, qui m'a donné 4 merveilleux enfants. Et je suis béni de l'avoir. Et vraiment, je vois ma mère, je vois mon pasteur Liliane au travers d'elle, par le don, les grâces et les talents qu'elle exerce chaque jour. Et je bénis Dieu vraiment d'être à côté de pasteur Liliane aujourd'hui encore pour rendre grâce à Dieu pour son coaching, pour tout ce qu'elle fait pour ces femmes. Et on le voit, nous les hommes, au quotidien, on vit les résultats de la Chambre des Secrets. Amen, amen, je dis amen. Si tu es une femme, tu vas acclamer le Seigneur, parce que je suis convaincue que tout ce que nous partageons dans la Chambre des Secrets ne sert pas seulement les femmes, mais sert aussi les hommes. Donc, dans l'intérêt des femmes, bien sûr. Et puis, Pasteur Léon n'est pas là par hasard. Il intervient dans le domaine des couples à travers une émission en ligne, n'est-ce pas, qui s'appelle « Les lundis de l'harmonie conjugale ». Pasteur Léon, tu peux nous en dire un mot? Oui, « Les lundis de l'harmonie conjugale », c'est une émission que nous avons entamée depuis 2020 lors du confinement, voilà, pour essayer de créer une école de mariage en ligne et aider les futurs mariés, les mariés à vraiment bâtir des foyers solides. Donc, nous avons eu la première saison. Et depuis le mois de juin 2022, nous avons lancé la saison 2, voilà, qui est dénommée maintenant l'école de Ruth. C'est l'école pour bâtir un mariage qui triomphe des portes de l'enfer, à l'image de Ruth, qui a bâti un foyer solide. Et nous appuyons sur les conseils et les attitudes, le caractère de Ruth pour donner des conseils vraiment à tous ceux qui sont mariés, qui veulent se marier, pour bâtir un mariage solide, un mariage qui triomphe des réclamations, des malédictions, parce que Ruth elle-même est issue d'un peuple maudit, a connu beaucoup de revers et d'échecs, mais dans ces conditions, il est possible quand même de bâtir un mariage qui résiste et qui triomphe des portes de l'enfer en s'appuyant sur son école. Et c'est ce que nous étudions tous les lundis par la grâce de Dieu. Merci, Pasteur Léon. J'aime bien l'exemple de Ruth, parce que d'un autre côté aussi, on voit que à travers l'histoire de Ruth, la vie de couple n'est pas toujours facile. Ce n'est pas un long fleuve tranquille. Exactement. Voilà, elle a connu une saison où le couple a été un peu, on va dire, catastrophique. C'est ça. Mais c'est bien fini. Elle s'est relevée. Elle a rebâti sur de solides fondements. N'est-ce pas? Voilà, en s'attachant au conseil de Naomi, qui, poussée par l'Esprit, lui a donné un ensemble de conseils. Et en ce moment, c'est d'ailleurs sur ce quoi nous sommes. Elle lui a dit « Lave-toi ». Oins-toi et mets tes habits. Et donc, chacune de ces consignes-là transporte des vérités puissantes que nous sommes en train de découvrir. Les filles, connectons-nous tous les lundis pour nous laver, nous oindre et surtout nous saper. C'est ça. Voilà, la partie qu'on aime. Voilà. Donc, Pasteur Léon, on est connecté. Amen. Voilà, on va continuer dans notre débat. J'ai dit que ce soir, on est ensemble pour pouvoir échanger sur des sujets qui ont été déjà abordés. Je vais donc donner la parole à nos invités, les sœurs, les championnes qui sont là. On commence par qui? Qui veut prendre la parole en premier? Aïssata? Oui. Ah. Donc, alors, la plus jeune prend la parole. On commence par toi.
Alors, dans l'émission, le pasteur Liliane a expliqué que l'homme avait besoin d'un temps pour lui, donc il avait besoin de sa caverne. Mais moi, j'aimerais savoir comment faire la différence entre un temps qu'il prend pour aller passer du temps avec ses amis ou se ressourcer et un autre temps où il est plutôt en train de fuir, il n'est plus en train de partir dans la caverne, mais il part en brousse pratiquement. Waouh! Waouh! Alors, c'est une question qui s'adresse aux hommes. Je vais donc passer la parole à Pasteur Léon. Okay. Merci Aïssata. Alors, comment faire la différence entre un homme qui est en train de fuir ou un homme qui est dans sa caverne? Alors, je dirais, il y a plusieurs choses à comprendre dans l'attitude de la caverne. La caverne de l'homme, comme l'a expliqué le pasteur Liliane dans le message, c'est un temps important, c'est un besoin pour l'homme. Et c'est aussi un moment, beaucoup de temps de caverne sont souvent des moments de protection pour la femme. En fait, la femme même ne comprend pas que souvent le silence ou certaines choses que l'homme est en train de traiter seul sont pour la protéger. Parce que la femme a un besoin de sécurité et l'homme ne va pas tout de suite venir lui montrer tous les problèmes qui sont là, voilà, pour ne pas augmenter la panique à bord. Donc il faut qu'il trouve d'abord lui-même la force, les ressources nécessaires avant même de venir exposer un problème peut-être qu'il vit. Donc c'est ce qui explique souvent ces temps de caverne. Maintenant, comment faire la différence entre un homme qui fuit pour aller en brousse et un homme qui est dans sa caverne? Une chose, c'est d'abord de voir l'antécédent, les antécédents dans la maison, dans votre relation, qu'est-ce qui s'est passé auparavant? Voilà. Ce qui peut amener un homme à fuir carrément au lieu d'être dans la caverne, c'est qu'il y a des antécédents, c'est qu'il y a une accumulation de frustration qu'il n'a pas pu exposer forcément à sa femme, parce qu'il faut noter que les hommes s'expriment peu dans le foyer. La plupart du temps, lorsque nous recevons des couples ou des problèmes de foyer, ça vient des femmes. Voilà. La plupart du temps. C'est-à-dire que c'est rare qu'un homme... quand un homme vient s'asseoir pour expliquer, c'est que c'est vraiment chaud. Parce qu'en général, l'homme essaie de régler seul, de se débattre seul. Les femmes, elles n'ont pas du mal à exprimer ce qu'elles ressentent dans leur couple, dans leur foyer. Donc, beaucoup d'hommes sont frustrés. Voilà, beaucoup d'hommes sont frustrés et ils n'arrivent pas à parler. Et malheureusement, ils n'ont pas forcément la bonne attitude de pouvoir s'asseoir, essayer d'échanger avec leur conjointe, mais ils préfèrent fuir carrément pour ne plus avoir des problèmes, étant donné que, comme la Bible dit, l'homme préfère vivre à l'angle d'un toit que de partager la demeure d'une femme querelleuse. Donc, un homme qui fuit, c'est peut-être qu'il fuit la querelle. C'est peut-être qu'il fuit les types de sujets et de conversations que sa femme envoie qui ne sont pas édifiants pour lui. Voilà. qui ne sont pas intéressants. Un jour, un frère m'a dit, j'ai dit, mais ta femme dit que tu ne parles pas, tu es toujours dans ton coin. Il dit, mais quand elle veut parler, c'est seulement pour critiquer les gens. Pour critiquer les gens de l'église, pour critiquer tout le monde. Donc, ce n'est pas des sujets qui m'intéressent. Donc, elle estime que je ne parle pas avec elle et que je suis dans mon coin parce que ces sujets ne sont pas intéressants. Voilà, donc, souvent, c'est pour ça que j'ai dit, il faut regarder les antécédents. Qu'est-ce qui s'est passé avant? Est-ce qu'il n'y a pas eu d'incident? Est-ce qu'il n'y a pas eu de temps où la femme a vraiment frustré son mari à un point où il a préféré se retirer? C'est d'abord cela qu'il faut regarder avant de tirer des conclusions. Donc, s'il y a un problème auparavant, il faut souvent le résoudre en s'humiliant, en demandant pardon à son mari, en lui disant, je pense que l'incident qui s'est produit, je n'ai pas eu l'occasion de te présenter des excuses, je te demande pardon. Voilà, c'est comme ça qu'il faut commencer, si on sait qu'il y a des antécédents. Maintenant, s'il n'y a pas d'antécédents, c'est certainement une caverne. Et comment le sortir de la caverne? Le pasteur Lilian a donné aussi des secrets, mais il faut aller de façon tout doucement, en apportant des sujets qui l'intéressent. Donc, en échangeant avec lui sur des sujets qui l'intéressent, c'est comme ça qu'on saura s'il est en train de fuir ou s'il est juste dans sa caverne. Si quelqu'un est dans sa caverne, ça n'empêche pas qu'il parle, c'est un sujet. Il y a des sujets devant lesquels il ne peut pas résister, on va dire. Donc, si on lui apporte ce type de sujet, il va quand même s'exprimer. Et si la femme apporte ce type de sujet qui ne s'exprime toujours pas, là, ça peut montrer qu'il est vraiment en train de fuir. Il est en train de partir un peu plus loin et c'est là qu'il faut ouvrir les yeux pour la femme et se remettre en cause, voir si je n'ai pas fait imposer quelque chose qui est en train de créer cette situation. Voilà un peu ce que je peux dire globalement et rapidement. Waouh! Donc, voilà, Aïssata et toutes les filles. Pasteur Léonde a donné une réponse très intéressante et très fournie. Alors, moi, je retiens dedans un élément
peut-être qu'il vous a échappé, mais moi, ça ne m'a pas échappé. Il a dit, la caverne de l'homme, c'est, n'est-ce pas, un élément de protection pour les femmes. Ah, les filles, quand l'homme rentre dans sa caverne, il faut le laisser. Parce qu'en fait, il est en train de te protéger. Ça, c'est quelque chose que je ne savais pas. Yeah. Jusque-là, je me disais, c'est parce qu'il a besoin de réfléchir, ou il est fatigué, il a besoin de se poser un peu. Mais ces gens, ils rentrent pour ne pas mettre le feu, quoi. Tu vois, pour ne pas nous braiser toutes. Voilà, donc c'est dire que la caverne, c'est important. Donc, ce n'est pas seulement pour le plaisir de l'homme, mais c'est des fois nécessaire pour l'équilibre du couple. C'est très important de retenir ça. Donc, peut-être qu'il est un peu trop énervé, il va prendre du recul pour retrouver du calme, ou bien il est troublé par des situations, c'est ça, Pasteur Léon? Oui, ou même certains signaux, certaines nouvelles qu'il a. En ce moment, oui, peuvent inquiéter vraiment la femme. D'accord. Peuvent inquiéter, elle peut ne pas bien gérer. Mm. Voilà, donc il veut prendre le temps lui-même de maîtriser la situation. D'accord. Avant de venir en parler. Parce que si tu parles d'une situation où toi-même tu es paniqué, mm-hmm, forcément tu entraînes dans ta panique toute la maison. Mm. Et on sait, alors que l'homme est censé être celui par qui on va dire, qu'est-ce qu'on fait? Oui. Parce que la femme, celui elle va qui dire, apporte les voilà, solutions. Les solutions. En fait. Donc, il doit prendre le temps d'abord au. Et comme pour moi, la bonne caverne, c'est pas rester juste dans son coin, c'est de chercher Dieu. Mm. C'est de prendre un temps de retraite. N'est-ce Donc, pas? Ça, c'est ce que je peux dire aux hommes. Je dis, la caverne, c'est pas juste rester dans ton coin, être sur la télé, ça va pas t'ouvrir les yeux, ça va pas apporter de solution. Mm. Donc, mieux vaut prendre un ou deux jours, va trouver un endroit, retire-toi, prie le Seigneur, reste un temps d'adoration, écoute des enseignements, ressource-toi et reviens fort. Pour pouvoir apporter des solutions à la maison. Voilà. Pouvoir apporter des solutions à la maison. Et même pouvoir. Quand Jésus dit à Pierre, il dit, j'ai prié. Satan t'a réclamé, mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. Donc, moi, je me souviens comme ça, quand mon épouse était enceinte de notre troisième enfant, il y a eu beaucoup de réclamations par rapport à cet enfant. Et plusieurs personnes ont eu des songes où ils ont vu qu'elle perdait l'enfant et elle-même est partie. Mais j'ai essayé de ne pas lui en parler. Je prenais plutôt des temps pour me retirer. Et je pense que c'est pendant cette étape-là, pendant presque une fois par semaine, je faisais une veillée de prière. Je me retirais. Elle ne comprenait pas forcément pourquoi je priais autant dans cette période. Mais c'est après l'accouchement, maintenant, que je lui explique. Voilà les défis qu'il y avait. Voilà Amen. Les défis qu'il y avait. Voici ce qui se passait. Voici ce que j'ai vu. Mais j'ai prié pour toi. Waouh. Afin que ta foi ne défaille pas. Vraiment, donc, les filles, on a bien fait de recevoir un homme dans la chambre des secrets. Ce soir, tous les docs vont sortir. On va comprendre enfin les hommes. Quelqu'un d'autre veut poser une question, les filles? Rosemonde? Okay. Oui, maman. Oui. Pasteur Léon, je voudrais rebondir sur un pan de ton intervention. Cela veut dire, si j'ai bien compris ce que tu as dit, cela veut dire que la caverne est valable autant pour l'homme converti que pour l'homme inconverti. Donc, même un chrétien qui a été renouvelé peut entrer dans la caverne, on doit le comprendre. Absolument. D'accord. OK. Donc, c'était ça. C'était ce que je voulais qu'on relève parce que peut-être on n'avait pas bien... On se disait que cette période de caverne n'était que pour les hommes qui sont... Enfin, qui ne sont pas convertis. Et donc, un chrétien, normalement, ne devrait pas avoir ce temps de pause. Non, mais si, il doit l'avoir, justement, comme je disais. Parce que le pouvoir, il y a ce qu'on appelle la solitude du pouvoir. D'accord. Quand la maison, une maison qui dépend de vous, c'est une grande responsabilité. Voilà, je pense que les femmes doivent comprendre que être responsable, premier et chef de la maison, c'est une très, très lourde charge pour un homme. Qui pèse sur lui. Voilà. C'est une responsabilité énorme. Amen. Et il en est conscient. Souvent, il voit peut-être des choses qui ne sont pas en train d'aller dans le sens qu'il souhaite. Il sait qu'il y a des attentes de sa femme qu'il n'est pas en train de combler. Et tout ça, souvent, ça peut l'amener à rester, à entrer en lui-même, prier, chercher la solution, trouver des ressources pour pouvoir avancer. Donc, c'est les défis pour un foyer dans une famille existent chez les chrétiens, comme les non-convertis. Et donc, ça montre que le besoin de souvent se retirer. Et je dis maintenant, c'est la façon de le faire qui doit différer entre un païen et un non-converti. Parce que la Bible dit que Christ est le chef de l'homme,
L'homme est le chef de la femme. Donc, quand l'homme doit être dans sa caverne, il doit aller auprès de son chef, prendre de nouvelles instructions, se ressourcer. Parce que si c'est dans la nature, tu vas, tu vas pas revenir avec des solutions. C'est juste un petit temps de répit, mais on n'aura pas avancé de façon considérable. Voilà. Peut-être pourquoi pas la chambre des secrets des hommes. Ah oui, il y aura la chambre des secrets des hommes. Oui, pourquoi pas. Pourquoi pas. D'accord. Lynn, on te passe la parole. Bonjour, pasteur. Bonjour, Lynn. Ok, moi, je voulais poser ma question pour une femme qui a été mariée depuis de nombreuses années, par exemple 10 ans, qui n'a pas eu la chance d'écouter les conseils de maman Lily tôt, de savoir où il y a eu, on a accumulé beaucoup de blessures, des coups, des violences, tout ça. Et vraiment qui est fermée, qui veut même que le monsieur reste dans sa caverne, qui ne saute plus. Elle-même, elle ne veut plus. Donc, dans ce cas-ci, là. Vous savez, le fait même qu'on soit blessé dans le mariage, souvent, est la conséquence qu'on était blessé avant d'y entrer. Et le fait qu'on soit blessé avant d'y entrer nous a amené à faire un mauvais choix. Voilà. La vérité dans le mariage, c'est que le plus important, quand vous vous apprêtez à vous marier, l'élément le plus déterminant, c'est le choix du conjoint. Si vous avez mal choisi, c'est Dieu vous fortifie après, c'est beaucoup de courage, c'est prendre courage, comme disait le vendredi dernier le pasteur Liliane dans sa prédication à Wishwick, attrape ton cœur. C'était très tôt, mais je vois m'empêcher de rire à 5 heures du matin. Devant lui, attrape ton cœur. Donc, ce qu'il faut faire, c'est de rachat du temps. Et le rachat du temps commence par d'abord chercher à travailler et à être restauré émotionnellement soi-même. Voilà, être restauré émotionnellement, non seulement des blessures qu'on a reçues dans le mariage, mais qui sont venues s'ajouter à celles qu'on avait toujours. Voilà, mon expérience dans le suivi des couples me montre que toute personne qui reçoit beaucoup de coups dans le couple en avait déjà reçu et justement pose des façons à une façon d'agir qui amène à en recevoir davantage de façon inconsciente. Voilà, ce sont les conséquences des blessures de l'âme, des blessures intérieures souvent qu'on a depuis l'enfance, du rejet familial, des difficultés par lesquelles on est passé. Et quand on ne prend pas le temps de guérir avant de se marier, votre conjoint va venir ajouter, parce que le conjoint en général ne vient pas comme un infirmier. Lui, il pense être en face d'une personne totalement normale. Donc, il a des attitudes qui viennent ajouter à vos blessures du passé. Vos réactions peuvent l'amener, si lui aussi il était blessé, à vous blesser davantage. Et à un moment donné, c'est dans le chaos total. Donc, quand c'est comme ça, on fait pause. On cherche à guérir. On cherche à vraiment guérir. Une femme récemment m'a dit, je lui ai partagé un enseignement que j'avais donné sur la guérison de l'âme, justement, parce que son foyer est pratiquement gâté. Elle m'a dit, pourquoi est-ce que c'est maintenant qu'elle voit cette vidéo? Qu'elle aurait dû la voir depuis 20 ans. Elle a commis tellement d'erreurs. Parce que, et elle est devenue même presque prisonnière de ses blessures. Elle ne veut pas du tout pardonner. Et elle a dit, si je suis ce processus, ça veut dire que je vais aboutir à un pardon. Franchement, j'aime bien le message. Ça m'a montré que j'ai un problème, mais c'est venu trop tard. C'est venu trop tard. Et je dirais donc à cette sœur-là que ce n'est pas tard. Aline, ce n'est pas tard. Prends le temps de guérir. Quand tu seras ressourcé émotionnellement, quand tu vas te relever émotionnellement, Jésus a dit à Pierre, quand tu vas te convertir, tu pourras affermir les autres. Tu pourras sauver les autres. Voilà. Donc, si tu prends le temps de guérir, de pardonner, en ce moment-là, tu pourras retourner vers ton conjoint et certainement, l'information que tu vas lui donner sera différente. Voilà. Pourquoi je dis l'information? Je prends l'exemple du miroir, par exemple. Le miroir vous ramène l'information que vous lui donnez. Et souvent, dans le foyer, on est étonné des informations que notre miroir nous renvoie. Parce que le conjoint est comme un miroir. Donc, c'est vrai que la violence est quelque chose d'épouvantable, de condamnable, d'inacceptable. C'est quelque chose qui est intolérable. La violence dans le foyer, je parle aux hommes, si vous me suivez, c'est vraiment un grand signe de faiblesse pour un homme que de porter main à sa femme et d'être violent envers elle. Et je pense qu'il n'y a pas plus grand signe de faiblesse pour un homme que ça. Cependant, je dirais aussi aux femmes, faisons attention aux informations.
à l'information qu'on transmet au miroir. Si tu confrontes un homme, si tu essaies de t'opposer à lui d'une certaine façon, et que cet homme-là n'a pas la maturité et le recul nécessaire, il peut répondre par la violence. Il peut répondre par la violence. Ce n'est pas une excuse. Mais si on change d'attitude dans sa façon d'être avec cet homme, on va se rendre compte qu'il est de moins en moins violent et on va même finir par dire qu'il a changé. Souvent, ce n'est pas qu'il a changé, mais seulement que comme je suis guéri et que j'ai compris certaines attitudes mauvaises que je ne dois plus répéter, du coup, je n'ai plus les mêmes conséquences. Je n'ai plus les mêmes conséquences en face et j'ai beaucoup plus de calme et de paix dans mon foyer. Donc, ça, c'est ce que je peux dire. Voilà, il ne faut pas accepter. Parce que quand un homme reste dans sa caverne, ça veut dire qu'on divorce. C'est quoi la solution? Non, il faut trouver les solutions. Il ne faut pas juste se cacher en disant « il m'a blessé, qu'il reste là-bas, moi aussi je suis ici ». On souffre. Voilà. C'est une souffrance continue. Il faut crever l'abcès et régler le problème. Voilà, régler le problème. Amen. Merci, Amen. Pasteur Léon. Alors, je voudrais moi aussi apporter quelques éléments de réponse à Lynn. Lynn, la parole de Dieu dit « Venez à moi », c'est Jésus qui parle. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. » Alors, quand on se trouve dans une impasse conjugale, comme tu l'as décrit, avec un homme avec lequel on n'a plus envie de composer, on a juste envie qu'il reste à distance, la première des choses à faire, c'est de venir aux pieds du Seigneur pour déposer son fardeau. Parce que, bien évidemment, cela signifie qu'il y a un fardeau que la femme porte, comme Pasteur Léon l'a si bien décrit. Alors, il faut venir au pied du Seigneur et déposer son fardeau. Ça veut dire que la première personne à qui il faut chercher à parler de toute cette situation, ce n'est pas la meilleure amie, ni la mère, ni même la belle-mère, ni même le témoin. C'est d'abord le Seigneur Jésus. Il faut venir au pied du Seigneur pour poser son fardeau, déposer tout ce qui fait mal au cœur. Et comme exemple dans la Bible d'une telle démarche, on a cette rencontre-là de Jésus avec la Samaritaine. Ça veut dire que quelque part, Jésus est prêt. Il y a un lieu de rendez-vous auquel il est présent. Alors, il faut prendre le temps de venir, n'est-ce pas, à cette rencontre-là avec le Seigneur. Il faut prendre le temps. Que ce soit une douleur qui est lourde, que ce soit des petits soucis, etc. Il faut prendre le temps chaque fois de revenir au pied de la croix, de revenir au pied du Seigneur, de revenir au puits du rendez-vous pour lui exposer la situation et déposer son fardeau, déposer sa jarre. Alors moi, ce que je peux dire, c'est que par expérience, parce que je suis aussi une femme et... Bon, on aura l'occasion peut-être une autre fois de parler de comment est-ce que la femme peut emmener des petites choses à grandir et du coup, on imagine alors des grandes choses, comment la femme peut lui donner des proportions inimaginables, en sorte qu'elle-même, elle étouffe sous ces situations-là. Voyez. Alors, la solution est toujours au pied du Seigneur. Yes. Toujours. Des fois, moi, j'ai rencontré des femmes, et moi-même, je suis un peu de ce type-là, qui se disent, bon, ça ne va pas, je ne me sens pas bien, je vais faire du shopping. Alors, on sort, on tourne dans les magasins et tout. Ça apporte un apaisement qui est vraiment temporaire. Par contre, si tu vas au pied du Seigneur et que tu te mets là devant lui, il va guérir. C'est-à-dire, le Seigneur va entrer dans un échange avec toi et te montrer, comme Pasteur Léon l'a dit tout à l'heure, il va te montrer plusieurs choses. Il va te montrer tes propres torts. Il va te montrer ta mauvaise gestion des situations. Il va aussi te montrer les bons côtés du conjoint. Voilà. Parce que, je le dis tout le temps, il n'y a pas que du mauvais dans un homme. Sinon, on ne serait même pas avec lui. Si une femme se retrouve avec un homme, ça veut dire que quelque part, il y a eu des points d'accord, il y a eu des éléments qu'elle a partagés, qu'elle a appréciés avec cet homme-là. Alors, le Seigneur va faire remonter tout ça à la surface et en écrivant la bonne équation, on trouve la force de quoi? La force du pardon. Voilà, pardonner à l'autre, mieux le comprendre et alors on peut repartir dans la relation. Mais bien évidemment, on peut être en situation où la relation est complètement bloquée et même quand le Seigneur fait tout ce travail-là, dans la balance, la douleur reste toujours plus lourde. Dans ce cas-là, effectivement, il faut prendre du retrait. Il faut sortir un moment de la relation, donc éventuellement retourner chez ses parents, prendre un temps de distance qui va permettre, n'est-ce pas, de faire retomber la pression et de mieux apprécier la situation pour prendre la meilleure décision.
Le divorce n'est pas la solution souhaitée. Donc, je crois que dans le temps de retrait, Dieu va travailler à la restauration et à rétablir l'équilibre du couple, à rétablir l'amitié. Voilà. Donc, moi, c'est ce que je pourrais ajouter. On va continuer à avancer. S'il y a d'autres questions ou contributions. Oui. Pasteur Liliane avait dit dans le développement du thème, que lorsque le conjoint entre dans sa caverne, la femme, au lieu de s'apitoyer sur son sort ou au lieu de partir vers lui pour l'obliger à sortir, et donc troubler un peu sa quiétude, elle peut aussi, elle, se trouver une forme de caverne avec des amis ou une occupation qui va l'aider à laisser le monsieur dans son temps de répit. Maintenant, je voudrais savoir, dans le cas où l'homme s'oppose à la caverne de sa femme, c'est-à-dire que là, il sort de lui sa caverne pour venir taper dans la caverne de la dame et repartir dans sa caverne, qu'est-ce qu'il faut faire? Il y a des hommes, par exemple, qui isolent les femmes, qui n'aiment pas qu'elles soient avec leurs amis, qui ne veulent pas que la femme, par exemple, qui avait arrêté de travailler, reprenne le travail ou reprenne les études, qui s'oppose à cela, mais qui les laisse aussi seules. Comment réagir dans ce cas? D'accord, ok. Si tu permets, Pasteur Léon, je vais répondre et puis tu pourras apporter des contributions. Alors, d'abord, première chose, Rosemonde, je voudrais dire, je reviens sur ce que j'ai dit dans Secret de femme. J'ai dit effectivement, quand l'homme entre dans sa caverne, la femme doit se focaliser sur d'autres choses. Donc, il faut savoir que la caverne, c'est physiologique à l'homme. Ça fait partie du fonctionnement de l'homme. On en a parlé tout à l'heure. Voilà. Qu'il soit chrétien ou pas, qu'il soit pas. Enfin, tous les hommes, à un moment donné, vont avoir un temps de retrait qu'on a appelé la caverne de l'homme. Mais à l'opposé, par contre, la femme n'a pas de caverne. Voilà, la femme n'a pas de caverne parce que l'idée de caverne même parle de quelque chose d'enfermé. C'est vraiment un isolement en lui-même. La caverne, c'est un isolement. Donc, je ne conseille pas à la femme, justement, quand le monsieur est en caverne, d'aller, elle, créer une caverne. Donc, ça, c'est déjà quelque chose que tu dois corriger dans la tête. Donc, la femme n'a pas besoin de caverne. Parce que pourquoi la femme, elle souffre de la caverne de l'homme? Parce qu'en général, les femmes sont très actives, elles sont très sociables. Voilà, les femmes ont une attitude sociable, elles ont toujours besoin de compagnie, besoin de parler, besoin d'agir, etc. C'est en cela que la caverne de l'homme pose un problème à la femme parce que ça l'empêche de déployer sa nature féminine. Alors, ce que j'ai dit, c'est qu'au lieu de rester à attendre que l'homme sorte de sa caverne ou de créer une caverne à elle, elle devrait s'ouvrir à d'autres personnes, à d'autres activités, etc. Alors, quand on lit bien l'histoire de la femme samaritaine, c'est un peu ce à quoi Jésus a conduit la femme. Il a emmené à avoir une autre activité, un autre focus, d'autres centres d'intérêt en quelque sorte. Voilà, donc effectivement, la femme doit développer d'autres centres d'intérêt pour ne pas sentir la caverne de l'homme trop lourde ou trop longue. Maintenant, si je comprends bien ce que tu exprimes, c'est que, je l'ai bien compris, quand la femme veut se tourner justement vers d'autres activités, se focaliser sur d'autres choses brusquement, l'homme sort de sa caverne parce que justement, il n'a pas envie que sa femme s'épanouisse. Voilà, parce que je pense que c'est comme ça que la femme va le ressentir. Il sort, il va lui dire, il sort de son isolement, il va lui dire non, je ne veux pas que tu sortes. Je ne veux pas que tu vois tes amis, je ne veux pas que tu fasses ceci ou cela. C'est bien ça. Alors, donc, d'une certaine façon, ce que l'homme veut, en fait, c'est que pendant que lui, il est dans sa caverne, la femme crée une caverne aussi. Et c'est ça, justement, qu'il ne faut pas faire. Alors, moi, ce que je peux dire, dans une telle situation, la femme doit, n'est-ce pas, déjà garder son sang-froid, n'est pas se dire, parce que bon, j'ai déjà eu des situations comme ça, où la femme, tout de suite, elle se dit, mais il est mauvais ce monsieur, il me veut du mal et tout, il faut relativiser. Alors moi, ce que je conseille aux femmes dans une telle situation, c'est d'expliquer à l'homme, tiens, tu sors de ta caverne, ben c'est tant mieux, moi j'avais que juste besoin de toi. Donc si tu ne veux pas que j'aille chez des amis ou que j'aille faire du shopping toute la journée, ben crée une activité, qu'on la fasse ensemble, qu'on reste ensemble, etc.
Donc, normalement, l'homme qui n'a pas envie que sa femme aille faire d'autres choses parce qu'il y a une certaine possession, un esprit de possession ou bien une certaine jalousie, va répondre favorablement à cette demande-là. S'il voit que, bon, la femme est prête pour lui, normalement, s'il veut la garder, il va investir et sa personne et son temps dans une activité qui va inclure la femme. Et moi, je dis, c'est tant mieux, c'est tout bénef pour elle. Maintenant, par contre, si l'homme, comme tu l'as aussi exprimé, non seulement ne veut pas que la femme aille faire d'autres choses, mais en plus, il n'est pas prêt pour elle, moi, je pense que la femme doit prendre son courage et avoir une discussion avec le monsieur pour qu'il puisse parler du fait que la Bible dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Donc, il n'est pas bon que la femme soit seule, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il faut revenir sur ce fondamental-là, que le couple, c'est pour être ensemble, c'est pour créer une famille, c'est pour créer une vie ensemble et ramener l'homme à ses responsabilités. Théoriquement, avec la prière, ça devrait fonctionner. Maintenant, si malgré tout ça, l'homme tient à rester isolé et il veut aussi isoler sa femme, je pense qu'il faut peut-être se tourner vers les pasteurs, se tourner vers la famille pour que la famille puisse trancher. Mais en général, si la femme l'emmène dans une discussion, on fait table rase, on parle, ça devrait fonctionner. Ou si la femme, quand il sort de sa caverne pour dire « non, je ne veux pas que tu sortes », elle lui dit « bonne arrivée », elle accueille de la bonne façon, ça devrait fonctionner. Le problème, c'est que souvent, quand l'homme sort et il exprime « non, je ne veux pas que tu partes », en fait, c'est parce qu'il ne veut pas dire « je veux que tu restes avec moi ». Alors, comme il ne le dit pas dans la forme positive, la femme, elle va avoir une réaction agressive. Donc, c'est là où tout se gâte, en fait. Sinon, si elle comprenait que le « tu ne sors pas » signifie « je veux que tu restes avec moi », elle saurait apporter la bonne réponse et normalement, ça devrait résoudre le problème. Pasteur Léon? Bah, je pense que Pasteur Léon a vraiment très bien répondu globalement à la question et je pense que ça pose le problème de la femme ne doit pas dépendre émotionnellement de son mari. La Bible dit que celui qui a trouvé une femme a trouvé le bonheur. Ça signifie qu'elle doit être le bonheur. Et s'il a trouvé le bonheur, ça veut dire que ce bonheur-là ne dépend pas d'abord de lui. De lui. Le bonheur était là. Voilà, le bonheur était là. Donc, si le bonheur qu'il est censé trouver doit dépendre de lui, c'est lui donner une responsabilité que Dieu ne lui donne pas. Et c'est attendre de cet homme-là des choses qu'il ne vous donnera pas non plus et qui ne pourront qu'accroître votre frustration. Donc, vraiment, le secret, c'est d'être le bonheur. Et de trouver les ressources dans le Seigneur et en accomplissant les choses qu'on aime, qui donnent un sens à notre vie. Si vous aimez évangéliser, faites évangéliser. Si vous aimez faire les affaires, allez faire des affaires. En tout cas, déployez-vous. Faites des choses qui vous rendent heureuse. Soyez épanouis. C'est beaucoup plus beau de vivre avec une personne épanouie que de vivre avec une personne qui murmure. Voilà. Donc, je pense que c'est ça la problématique. Et l'autre problème, ce type d'homme tel qu'indiqué, ça montre que cet homme-là, quelque part, est malade émotionnellement. Et il faut peut-être prendre du temps de prier pour lui. Et comme l'a dit pasteur Liliane, à un moment donné, si c'est un chrétien, il faut aller parler avec son pasteur et pour qu'on l'aide. Il a besoin d'aide. Il n'est peut-être pas conscient qu'il est en train de détruire une personne et de se détruire lui-même et de détruire les enfants. Parce que je n'ose pas imaginer l'atmosphère de cette maison-là où... il est comme le Seigneur des Seigneurs où personne n'a le droit d'épanouissement en dehors de lui. C'est pas une vie de vivre avec une telle personne. Donc à un moment donné, il faut pouvoir se faire aider. Il faut se faire accompagner et ça peut aider à résoudre le problème. Waouh. Merci Pasteur Léon. Les filles, je veux encore rebondir sur quelque chose parce que je vous ai dit que ce soir, on a un homme avec nous qui va nous apporter les réponses des hommes. Parce que comme moi je parle, on va dire que c'est une femme qui parle. Il a bien dit, l'homme-là, il cherche le bonheur. Donc, il cherche quelqu'une qui est déjà heureuse, qui est déjà épanouie, qui se prend déjà en charge. Alors, moi, je n'arrête pas de dire, les filles, prenons-nous en charge. Prenons-nous en charge émotionnellement. Malheureusement, beaucoup de femmes, quand elles se marient, elles mettent tout le portefeuille de leur vie émotionnelle dans la main du monsieur.
Je serai heureuse quand il va m'inviter au cinéma. Je serai heureuse quand il va me faire sortir. Je serai heureuse quand il va me donner 100 000 francs tous les mois. Je serai heureuse quand lui. Donc, on a bien compris que non, il faut être heureuse d'abord. Et je l'ai dit, c'est vrai, à la Wish Week, ça dit qu'en fait, l'homme là, quand tu es bien, les filles, c'est trop fort. C'est ça, en fait, l'homme, il regarde derrière, ça va, tes pieds vont bien, tu peux me suivre. Si tu es en forme, allons-y. Si tu n'es pas en forme, mon cher, il avance, débrouille-toi, tu vas le suivre. Voyez? Donc, en fait, c'est incroyable la responsabilité qui est celle de la femme, mais la parole de Dieu le dit clairement. Celui qui a trouvé une femme a trouvé le bonheur. Un bonheur, c'est quelque chose d'épanoui ou c'est quelqu'un d'épanoui. Ce n'est pas quelqu'un qui attend de recevoir quelque chose, les filles. Nous devons être complètes, entièrement complètes émotionnellement. Et puis l'homme vient pour que le bonheur l'accompagne. Quoi. Je sais que c'est la partie qu'on n'aime pas parce qu'on comprend la parole de Dieu à l'envers. Nous, on voudrait... En fait, je le dis ce soir et je le redis à moi-même, hein. Nous, on voudrait que l'homme soit notre bonheur. Mmh. La parole de Dieu le dit, parce que l'a répété, c'est l'homme qui parle. Dieu dit, celui qui a trouvé une femme a trouvé le bonheur. Donc, si tu trouves le bonheur, façonne ton bonheur, trouve ta potion magique du bonheur, et puis maintenant, avec l'homme, tu vas réussir à composer. Ne me demande pas pourquoi c'est comme ça, c'est écrit dans la parole de Dieu. Voilà. Donc, on doit se prendre en charge émotionnellement. Je crois que bien souvent, les douleurs viennent des attentes des femmes qui sont trop élevées. Mmh. Et l'homme de Dieu l'a dit. Il a dit en tant qu'homme de Dieu, mais il est dit aussi en tant qu'homme. Nos attentes là, c'est trop élevé pour eux. Donc, prenons-nous en charge. Et quand tu es épanouie, quand tu es heureuse, quand tu rayonnes, tu vas voir que tu vas accompagner l'homme. Sinon même, c'est lui qui va accompagner le bonheur que tu es. Amen. Bible, ça va. La Bible dit à celui qui a... on donnera. Voilà, les secrets sont aujourd'hui. Et à celui qui n'a pas, on va retirer le peu qu'il a. Donc, en fait, si tu n'es pas heureuse, il ne peut pas ajouter. Ton mari va venir racler le peu de joie que tu avais. On enlèvera même le peu que tu as. Maintenant, si tu viens heureuse, c'est pour ça que je dis toujours aux gens qui ne sont pas mariés, le premier signe qui te montre que tu es prêt à te marier, il faut être heureux. Wow. Si tu n'es pas heureux, ça veut dire que pour le moment, ce n'est pas bon pour toi le mariage. C'est un endroit dangereux. Ouh, champ de bataille. Alors les filles, prenons note. Ce qui est en train d'être dit est très important. Le mariage ne s'écrit pas à votre plume. Le mariage ne se prépare pas à votre sauce. Il y a une méthodologie du mariage. Il y a une, n'est-ce pas, formule du mariage qui se trouve dans la parole de Dieu. Il faut aller scruter la parole de Dieu et faire très attention à tout ce que la Bible dit. Voilà, donc nous devons noter ces choses. Et si nous sommes en déphasage avec ces choses-là, ce n'est pas grave. La Bible dit qu'on ne tient pas compte des temps d'ignorance. Mais dès que la connaissance et la révélation arrivent, il faut la saisir et en faire sienne. Voilà. Pourquoi est-ce que ça n'a pas marché dans ton foyer jusqu'à ce jour? L'homme de Dieu, l'homme de la chambre des secrets ce soir l'a dit, c'est parce que toi-même tu n'étais pas heureuse avant, c'est parce que toi-même tu ne façonnais pas ton bonheur, c'est parce que tu attendais ton bonheur d'un homme. Donc, si tu l'as bien compris, je crois que tu tiens le bon bout pour récupérer ton bonheur conjugal. Que Dieu te bénisse. Amen. Aïssata? Alors moi, j'aimerais savoir comment faire pour être une femme qui travaille sur son bonheur, qui cherche à toujours être heureuse justement en réalisant ses rêves, mais sans oublier qu'elle est sous la mission de l'homme. Comment garder cet équilibre-là en étant une femme qui est épanouie, qui fait tout ce qu'elle a à faire, mais en même temps se rappelant que, ok, je suis sous la mission de l'homme, je dois l'aider à atteindre sa vision, etc. Alors, bon, Pasteur Léandre, je réponds, vu que je suis une femme. C'est ça. C'est une question qui revient aux femmes. Alors, comment est-ce qu'en tant que femme, on peut trouver cet équilibre-là? C'est une très bonne question parce que nous savons que Dieu a créé Ève avec cette mission qu'elle soit l'aide de l'homme. Donc, quelque part, on l'a dit, être l'aide, c'est que tu as quelqu'un qu'il faut aider. Il y a un principal et puis toi, tu viens en second. Voilà. Donc, ça, c'est un peu la position que Dieu a donnée à la femme vis-à-vis de l'homme ou par rapport à l'homme. Alors, comment est-ce que, au milieu de tout ça, la femme peut trouver son équilibre, peut rester maîtresse, n'est-ce pas, de sa vie aussi? Parce que, quelque part, si je suis l'aide, est-ce que j'ai droit à une vie? Est-ce que j'ai droit à développer des projets personnels? C'est ça, en fait, la question. Alors, moi, je l'ai découvert par expérience.
Après plusieurs années de mariage, j'ai compris que un homme est à l'aise avec une femme qui est. Voilà. Pour qu'un homme soit en phase avec une femme, il faut que cette femme ait une identité. Il faut qu'elle ait une... Je ne sais pas comment on dit. Il faut qu'elle ait une histoire. Il faut qu'elle soit une légende. Voyez, non. L'homme se sent bien avec une femme qui est. Ça veut dire qu'il ne veut pas être le tuteur de ta vie. Il veut que tu aies une existence, que tu te déploies, que tu prennes des décisions, que tu sois toi. Alors, il faut être. Beaucoup de femmes vont avoir des problèmes dans le foyer parce que dès qu'elles se marient, elles ne sont plus, elles n'existent plus, elles ne sont plus elles, elles n'existent plus en fait. Et personnellement, c'est quelque chose que j'ai vécu. Je pense avoir déjà rendu ce témoignage, mais je le rends encore ce soir. Alors moi, sans orgueil aucun, j'étais une élève super brillante. D'un point de vue social, quand j'étais dans des associations, des groupes, je brillais, je prenais beaucoup de leadership, j'étais vraiment très... j'étais une personne très vivante, on va dire ça comme ça, qui réalisait beaucoup de choses. Et puis, je me suis fiancée, je me suis mariée. Et chose bizarre, je pense que toutes les femmes, en tout cas la plupart, ont dû vivre cette expérience. Une fois que j'étais entrée dans la maison du monsieur, c'est comme si toute mon énergie était partie. C'est comme si brusquement je n'étais plus intelligente. C'est comme si j'existais plus en fait. Je pense que ça vient d'une mauvaise compréhension du mariage. Alors j'étais assise et j'attendais. J'avais une maîtrise en droit quand je me suis mariée. J'avais une entreprise quand je me suis mariée. Mais une fois que j'étais rentrée dans la maison du monsieur, je m'asseyais et puis je me disais, il va me dire quoi je dois faire demain. Il va me donner une orientation, il va donner un sens à ma vie. Mais le monsieur, il ne se sentait pas, n'est-ce pas, investi d'une telle mission. Lui, il regardait sa destinée et puis voyait là où je pouvais l'aider. Alors, au bout d'un moment, j'ai commencé à être frustrée. Je disais, oui, mais pourquoi il ne me dit pas quoi faire? Pourquoi il ne me dit pas dans quel sens aller? Il est égoïste, il ne s'occupe pas de moi, je ne compte pas dans son équation et tout ça. Et puis, la frustration commençait à monter. Et un jour, j'étais au supermarché en train de faire les courses avec mon même refrain, mes mêmes, on va dire, griefs contre le pauvre monsieur. J'étais dans les rayons et je me disais, mais il est mauvais. Il ne peut même pas me dire ce que je dois faire. Mais moi, je fais quoi? Je vais où? Et puis, pendant que j'avais ces pensées dans la tête, l'Esprit de Dieu m'a interpellée. Il m'a dit, Liliane, j'entends Dieu qui m'appelle. Liliane, j'entends Dieu qui m'appelle. Je dis, oui, Seigneur. Il dit, est-ce que je peux te parler? Parce que moi, souvent, Dieu me parle comme ça. Il me dit, est-ce que je peux te parler? Je dis, oui, Seigneur, tu peux me parler. Il me dit, qui a eu le bac avec mention? Je dis, c'est moi. Il me dit, qui avait des tableaux d'honneur à l'école? Je dis, c'est moi. Il me dit, qui avait une entreprise avant de se marier? Je dis, c'est moi. Il dit, le c'est moi, là, elle est où? Dieu me dit, elle est où, cette femme-là? Elle est où? Je dis, je ne sais pas, Seigneur. Il dit, vraiment, tu ne sais pas. Wow. Alors Dieu m'a dit ce jour-là, il me dit, mais je ne comprends pas, je t'ai créé avec toutes les qualités que tu sais, tu as réalisé des espoirs avant de te marier, comment se fait-il que le seul passage devant le maire t'a fait disparaître? Et ce jour-là, j'ai compris que Dieu est en train de me dire, mais tu existes, tu peux faire des choses, tu peux réfléchir, tu peux agir, pourquoi est-ce que tu t'arrêtes? Et c'est depuis ce jour-là que j'ai compris que c'est vrai, de temps en temps, on peut faire le bébé gâté, mais mon mari n'est pas mon tuteur. Il est que mon mari et que je devais me déployer en tant que femme et que Dieu ne m'empêchait pas de me déployer. Et quand j'ai recommencé à me déployer, je me suis rendu compte qu'il y avait le respect et l'admiration. Voilà, qui venait de l'homme. Les filles, vous devez savoir que votre mari va vous respecter en fonction de qui vous êtes et en fonction de ce que vous êtes capable d'apporter dans le couple. Voilà, pas en tendant la main toujours, en attendant la solution constamment de l'homme et tout. Non, l'homme cherche une partenaire de vie, il cherche une coéquipière. Et qui dit coéquipier dit que l'autre apporte quelque chose. Donc, on doit pouvoir apporter quelque chose, que ce soit en termes d'intelligence, de créativité, même de solution aux problèmes qui se posent au couple ou dans le foyer. Et pourquoi pas en termes de ressources. Et en cela, je vais m'appuyer sur la femme de Proverbe 31. Quand on lit le texte de cette femme-là, sa présentation, c'est là que la Bible appelle la femme vertueuse, ou dans certaines traductions, la femme idéale. On voit que c'est une femme qui s'assume,
C'est une femme qui a des projets, qui les réalise. C'est une femme qui se réalise au quotidien. C'est une femme qui se lève et qui poursuit son avenir. Et au bout de tout ça, on dit quoi? Son mari est honoré. On dit quoi? Elle est honorée par son mari. Pourquoi? Parce qu'elle se déploie. Yes. Donc c'est important que les femmes prennent comme exemple cette femme-là, qui est la femme idéale selon Dieu. Dieu ne dit pas qu'elle est insoumise parce qu'elle se réalise. Dieu ne dit pas que c'est une femme indigne parce qu'elle poursuit des rêves à elle. Vous voyez, au contraire, la Bible dit que son mari a confiance en elle. Et je l'ai dit à la 8-8, plus tu vas gagner d'argent, plus le monsieur va avoir confiance en toi. Plus tu vas réaliser des choses, plus il va avoir confiance en toi. Plus tu vas le laisser tranquille, plus il va avoir confiance en toi. Voilà. Sinon, on ne comprend pas. On dit oui, elle gagne de l'argent, elle produit. Son mari a confiance en elle. Moi, j'aurais pensé qu'on aurait dit son mari lui donne ses millions, ses sacs de millions à lui à garder. Elle ne bouffe pas, donc il a confiance en elle. Non, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Il a confiance en elle parce qu'en elle, il voit une femme forte. Il sait que le jour, ça ne va pas aller chez lui, elle sera présente. Il a confiance en elle parce qu'il sait qu'elle n'est pas attentiste. Il sait qu'il ne va pas porter un lourd fardeau parce qu'il a épousé une femme. Donc ça le met au repos et il a confiance. Yes. Et ses enfants la disent bienheureuse parce qu'ils ne voient pas une maman pleurnichade qui attend que papa paye la boîte d'allumettes, qui attend. Non, ses enfants voient que si papa n'est pas là pour payer mon pull ou ma scolarité, maman répondra sans orgueil, vous voyez, sans orgueil, sans vanité, mais maman est là, elle est présente, elle assume. Yes. Donc pour moi, ça permet à la femme de garder l'équilibre. Maintenant, où est-ce que la notion de soumission va intervenir? Moi, j'ai mis du temps à comprendre ça. Ok, un moment, j'ai compris que je devais me déployer, Maintenant, à quel moment est-ce que je ne dois pas franchir la limite entre le trop plein d'expression de la femme que je suis et la notion de soumission? Je me suis rendu compte que, en fait, la soumission va intervenir là où l'homme a son mot à dire. Donc, tant qu'on est dans un questionnement, dans une situation où l'homme a son mot à dire, c'est là où la femme doit pouvoir temporiser et prendre du recul. Par exemple, je suis une femme entrepreneur où je travaille, je gagne de l'argent, je vends au marché, je gagne de l'argent. Je veux mettre mon enfant dans un certain établissement. Je suis consciente que ce n'est pas mon enfant à moi seul. Qu'est-ce que je fais? J'en discute avec mon conjoint. Exactement. Si lui, il dit « Ok, on le met dans cette école, on y va. » Mais à partir du moment où l'homme dit « Non », dans une situation où il a son mot à dire, la femme doit pouvoir prendre du recul. Et c'est en cela que l'homme va apprécier aussi la nature de soumission de la femme. Parce qu'il sait qu'elle est capable, il sait qu'elle peut. Mais quand il a dit « Non », elle a stoppé. Wow, c'est lourd. C'est lourd. Voilà, donc c'est là où l'équilibre se fait. Wow. Donc pour toutes les questions qui la concernent, elle directement, l'homme attend que la femme soit indépendante, qu'elle fonce. Mais dès qu'il y a une question qui concerne les deux, l'homme attend que la femme se soumette. Oh yes. Donc, si les femmes, vous comprenez ça, vous allez avoir un foyer équilibré et du repos. Pascal Léandre, je te renvoie le micro. Oui, je pense que vraiment, c'est tellement magnifiquement dit. Voilà, comme tu le disais, par rapport à la question de la sœur, récemment, j'ai lu un texte de, je ne sais pas si c'est une femme qui le disait, un homme doit savoir ce qu'il veut, tu ne peux pas avoir une femme battante, et en même temps une femme douce, tu peux en même temps... J'ai dit, mais dans quel monde on est? La Bible présente deux types de femmes, il n'y a pas trois. Il dit, il y a les femmes sages, il y a les femmes insensées. Soit une femme est sage, soit une femme est insensée. Donc, si une femme me regarde en ce moment-là, il y a deux camps. Soit, tu es dans le camp des femmes sages, soit tu es dans le camp des femmes insensées. Il n'y a pas un troisième camp. Et les conseils, ou l'enseignement, ou le proverbe 31, comme l'a décrit Pasteur Liliane, montre vraiment que ce que Dieu attend d'une femme qu'on dit sage, c'est cela. Et sa limite, justement, c'est de savoir se soumettre à son mari, quel que soit le titre, ou les succès et les grades qu'elle peut recevoir dehors, savoir fait. Que quand il s'agit de l'homme, elle doit dire... Mettre bas la terre. Chef, tu as parlé. Oui, tonton. Donc, tu vois ce que c'est tellement bien dit et je rends grâce à Dieu. Merci, Seigneur. Et
Dieu te bénisse, Pasteur Liliane. Amen, amen. Si vous permettez, je veux aussi rajouter quelque chose. On a aussi souvent entendu des femmes dire, oui, mais est-ce qu'il faut que je me soumette si on est en train d'aller dans un trou, si on est en train d'aller tomber dans un puits, etc. Je pense que les femmes doivent être conscientes que les hommes ne sont pas bêtes, ils ne sont pas idiots, ils ne sont pas aveugles. Alors, ce qui se passe, c'est que des fois, l'homme va volontairement prendre une position parce qu'il veut résister à toi, sa femme. Il veut te résister. Donc, si tu lâches du lest, tu vas voir qu'au bout d'un moment, il va prendre la décision qui sied. Et puis, si vous tombez dans un puits, ben, il vous en sortira. Il vous en sortira. Je veux dire que il ne faut pas toujours prendre cet argument-là pour refuser d'être soumise parce qu'au final, la femme le paye cash. Voyez? Parce que le puits qu'elle voulait éviter, elle finira par y tomber. Wow. Si tu as un homme qui te résiste, vous allez forcément tomber dans le puits. Quelle que soit l'énergie que tu vas déployer, il va tout faire pour casser, il va tout faire pour tout mélanger parce qu'il ne se sent pas dans le projet, il n'est pas en phase avec toi et forcément, ça va revenir au puits. Pourquoi? Parce que la Bible dit que les désirs de la femme se portent toujours vers son mari. Donc, une femme qui identifie un puits et qui dit que mon mari veut me faire tomber dans le puits, donc je ne l'écoute pas, j'évite le puits. Il y a un autre puits émotionnel qui l'attend devant parce que son mari va lui résister. Il va dire, donc comme tu es Django, tu es trop chef pour sauter les puits, saute le prochain puits aussi de mon indifférence, de mon manque de soutien. Voilà. Et ça, je vous assure les filles, il vaut mieux tomber dans un puits que tu crois être un puits. Par exemple, tu penses que, par exemple, tu te dis... mon mari veut qu'on mette les enfants dans un EPP, donc école publique. Moi, je veux qu'on mette les enfants dans une école privée. Et j'estime que l'éducation privée sera plus favorable à l'enfant. Donc, pour toi, si l'enfant va au public, on tombe dans un puits. Mais je t'assure que ce puits-là est préférable pour toi. L'enfant n'a qu'à aller faire l'école publique, en sachant très bien que moi, j'ai fait l'école publique, je ne suis pas une idiote. Moi aussi. Amen. Et l'université publique. Et l'université publique. On a fait l'université publique. On n'est pas moins compétente ou moins intelligente que des personnes qui ont fait des établissements privés. Pour dire que, en fait, derrière les décisions, Dieu se tient. Yes. Et si tu te soumets à ton mari, même si vous tombez dans le puits, ça c'est ce à quoi je voulais en venir. Dieu qui a vu ta soumission va prendre le relais. Yes. Dieu va prendre le relais. Il va parler à l'homme. Comme Dieu a parlé à Joseph au temps opportun. Dieu va parler à l'homme. Peut-être l'enfant va faire la première année dans l'école publique et Dieu va commencer à parler à l'homme. Lui dit, ah, regarde, l'école là, il y a des voyous. L'école là, il y a de l'insuffisance pédagogique. L'école là, et le Seigneur va commencer à parler à l'homme. Et parce que la femme se sera soumise, l'homme va être plus réceptif de la voix de Dieu. Donc, en fait, la vérité, c'est que dans la soumission, il y a une notion de confiance à Dieu. Voilà. Il faut qu'en tant que femme, nous fassions confiance à Dieu, qui est le maître de tout. On dit qu'il a le dernier mot. Dieu a le dernier mot. Nos destinées n'appartiennent pas aux hommes. Nos destinées ne sont pas dans la main du conjoint. Nos destinées appartiennent à Dieu. Et la Amen. Bible dit, il ne veille ni ne sommeille, yes. celui qui garde Israël. Donc, il ne veille ni ne sommeille. Qu'est-ce que toi, tu peux faire pour conduire ton enfant vers sa réussite? Wow. Peut-être qu'aujourd'hui, tu penses que tu prends la bonne décision. Mais est-ce que tu connais demain? Est-ce que, peut-être même l'école privée que tu veux tant, là, c'est là-bas qu'il va rencontrer la drogue. Tu ne sais pas. Tu vois, donc la soumission, parce que dans la notion de la soumission, on met Dieu devant parce qu'on obéit à sa parole. On le yes. met au défi de prendre le relais et de régler toutes Amen. Choses. Donc, quand une femme réussit à créer cet équilibre-là, Dieu reste au devant de l'avenir du couple, de l'avenir de la maison. Et vous verrez qu'on va tourner, la gloire de Dieu sera manifestée à la Amen. Main. Donc, femme, soumettons-nous à la parole de Dieu. Nous ne sommes pas plus intelligentes que Dieu. Quand Dieu a parlé de la soumission, il avait déjà vu ton mari. Yes. Il avait déjà vu les situations de 2018, de 2019, de 2020. Donc, tu n'es pas plus avant-gardiste que Dieu. Yes. Tu n'es pas plus sage que Dieu. Dieu a dit, femme, soyez soumise à vos maris. Soumets-toi et tu verras si Dieu n'est pas Dieu pour régler toutes choses. Laisse-toi faire. J'aime trop cette parole de Pasteur Léon. Laisse-toi faire. La Bible dit, d'ailleurs, dans Éphésiens 5, hein, il dit, femmes, soyez soumises à vos maris en toutes choses. Pas certaines fois, pas en fonction de leur performance,
pas en fonction de leur attitude, c'est en toutes choses. Et Pierre dit, il dit, femme, il dit, soyez comme les saintes femmes qui espéraient en Dieu, soumises à leur mari. Donc, il donne vraiment le secret, comme a dit le pasteur Lilian. La soumission, c'est d'abord l'espérance en Dieu, la confiance en Dieu. Tout à fait. En fait, tu te soumets à cet homme-là, pas parce que tu as vraiment tellement confiance en lui, mais c'est parce que tu crois au Dieu qui t'a envoyé dans la vie de cet homme et tu sais que ce Dieu-là tient la barque. Et que même si cet homme-là prend un mauvais chemin, Dieu va le ramener sur le bon chemin. Amen. C'est pour ça que Sarah a suivi quelqu'un qui est venu lui dire un matin, ferme toutes tes boutiques, on s'en va dans un pays que Dieu va me montrer. Même pas qui m'a montré. Bon, je ne sais pas. Je dis, ça c'est quelle aventure. Allons dans un pays que Dieu va me montrer. On ne sait même pas, on ne sait pas où on va. Mais la Bible dit, elle espérait en Dieu. Amen. Elle appelait Abraham son Seigneur. Seigneur. Et comme pour dire, par rapport à la résistance de l'homme, je dis souvent aux femmes, l'homme est un guerrier de naissance. C'est pour ça que dans l'armée, il y a principalement des hommes. Mm. Ça dit que la guerre, les hommes sont faits pour la guerre. Wow. Et la femme ne doit jamais entrer sur un terrain de guerre avec un homme parce qu'elle est perdante dès le départ. Wow. Parce que quand il y a la guerre, les premières personnes qu'on cherche à sauver, c'est les femmes et les enfants. Parce qu'ils ne sont pas faits pour ça. Ils ne sont pas faits pour ça. Donc, l'endroit où l'homme est faible, c'est la soumission. Quand une femme est soumise, l'homme perd ses moyens. Voilà. Mais quand il essaie de se montrer, c'est-à-dire que la guerre, là, l'homme, il connaît ça, il aime ça. Depuis qu'il est petit, ils font concours de tout. Concours de se laver, concours de cheveux est plus long, concours de tout. C'est-à-dire que tout est course. L'homme est un compétiteur. Donc, essayer simplement d'entrer dans ce domaine-là, c'est courir le risque d'être blessé, détruit émotionnellement. Parce que, en fait, lui, il fait ça, ça ne lui enlève rien. C'est quelque chose de naturel pour l'homme, la guerre. Pour lui, il ne s'est même pas rendu compte qu'il t'a fait mal. Parce que bon, comme tu veux entrer en compétition, je veux te montrer un peu, te prouver un peu bon que, voilà, il est là. Et il ne faut jamais entrer dans ce terrain-là avec un homme. Il faut prendre le chemin que Dieu a dit. Là. Amen. C'est le meilleur chemin, le chemin de la soumission. Alors, donc, on tire vers la fin de notre rencontre. Moi, j'ai une question pour Pasteur Léon. Oui, Pasteur. Pasteur Léon, on a parlé du romantisme. Yes. Ici, dans Secrets de femmes. Qu'est-ce que tu penses du romantisme? Parce que, en fait, ça revient souvent que c'est les hommes qui ne sont pas romantiques. Est-ce que c'est vrai? Alors, je dirais que, pour moi, pas que les hommes ne sont pas romantiques, mais en fait, le problème du romantisme, ce que j'ai avec le romantisme, c'est que la source de ce que beaucoup de femmes de notre siècle appellent le romantisme est un romantisme de télévision, est un romantisme de telenovela, donc qui a des exigences qui sont souvent irréalisables, irréalistes pour un homme au quotidien. Wow. Voilà. Donc, quand ce qu'elles ont vu dans les films, elles veulent le voir chaque jour dans leur maison. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Mais est-ce que ça veut dire que l'homme ne doit pas faire d'efforts pour faire plaisir à sa femme? Ce n'est pas ce que je dis. Mais il faut savoir trouver l'équilibre et ne pas essayer de transposer tout ce qu'on voit sur Facebook. C'est-à-dire que tu as une femme, elle a fini de voir sur Facebook, quelqu'un a offert une voiture, avec un bouquet avec des billets à l'intérieur à sa femme. Quand le monsieur rentre, il n'a rien dit, elle est déjà fâchée. Sa tête l'énerve déjà. Donc, elle estime que son mari, là, il n'est pas romantique. Pourtant, elle ne vient de voir qu'un épisode d'une série. Quelques minutes. D'une série. Elle n'a pas les autres éléments. Or, ce que cet homme t'apporte au quotidien, c'est peut-être beaucoup plus que ce que tu viens de voir. Tout à fait. Donc, oui, au romantisme, mais en sachant l'équilibrer, c'est-à-dire, comme l'a dit dans l'enseignement le pasteur Liliane, allez-y progressivement. Pourquoi? Parce que chacun a un background, il a des choses qu'il sait faire, qu'il ne sait pas faire, qu'il comprend, qu'il ne comprend pas. Il faut aller progressivement vers les choses qui sont atteignables, vers les objectifs atteignables, tout doucement, amener son mari à y arriver. Et le problème du romantisme est aussi un problème souvent dans le choix du conjoint. Beaucoup de femmes excluent des hommes qu'elles jugent ne pas être romantiques. Je connais une sœur qui a failli éjecter un homme, un bon frère, parce qu'il est venu au rendez-vous débraillé et en transpirant. Je crois qu'il avait une glacière en main. Bon. Lui aussi, parce que. Bon. Mais j'aime ça. J'aime ça. La Bible dit, l'homme considère ce qui frappe aux yeux. N'est-ce pas? Mais Dieu regarde au cœur.
Amen. Et je dis aux femmes, un bon dragueur et un bon mari, c'est deux choses différentes. Tout à fait. Les filles, on retient ça. Il y a des très bons dragueurs, mais qui savaient être des dangereux maris. Waouh. Donc, quelqu'un peut ne pas être un bon dragueur. Parce que la drague, là, bon, en fait, il faut avoir fait un peu le monde, avoir une certaine expérience de ces choses-là, pour savoir le réussir. Il y a des gens qui sont maladroits dans leur approche de la femme, qui n'ont pas l'air romantiques, mais avec un peu de discipline et d'enseignement, vont s'avérer être de très bons maris, qui vont savoir combler leur femme. Donc, c'est pour ça qu'il ne faut pas exclure. Je connais un autre frère qui avait son propre test pour se marier. La première fois qu'il rencontre une sœur, il l'invite dans un coin de Diallo, tu vois, les petits kiosques de spaghettis. On mange les spaghettis, voilà. La première sœur s'est dit, c'est pas la peine. Le gars, il est propriétaire de sa propre maison. Il a une bonne situation. Mais il voulait juste tester. Et la sœur, au moins deux ou trois sont tombés dans le piège du Diallo. Elles ont exclu le frère. Elles se sont dit, mais c'est gay. Et puis, bon, en fait, il est venu au rendez-vous exprès, sans artifice. Elles se sont dit, gars comme ça, là. J'ai déjà trop souffert dans ma vie. Je ne vais pas aller prendre encore un gars avec qui on va aller chercher Diallo. Non, ça, là, c'est bon. Pourtant, le gars, il est propriétaire de sa maison. Il a une bonne situation sociale. Mais il s'est dit, je ne vais pas prendre une femme qui va m'épouser pour ce que j'ai, pour mes biens, mais parce qu'elle prend plaisir à être avec moi, elle cherche à me connaître, elle veut marcher avec moi. Et beaucoup de femmes, malheureusement, excluent de ce type d'hommes-là parce qu'elles n'ont pas les yeux pour savoir reconnaître. Et je leur dis, prenez l'exemple de notre maman, pasteur Liliane, elle a prié. Voilà. L'homme, il faut savoir voir. Alors qu'il est une masse informe, il faut que tes yeux voient les bons jours qui lui sont écrits. N'est-ce et avant qu'aucun d'eux ne soit paru, pour pouvoir reconnaître et dire oui au bon moment. Alléluia. Amen. Et après, ça va venir. Donc, maman, oui au romantisme. Mais attention aux femmes. Voilà. Vous avez, comme j'ai dit, il y a beaucoup de bons villageois comme nous autres. Voilà, on a grandi dans des conditions, on n'est pas beaucoup sortis, on ne connaît pas beaucoup les certaines choses. Ça prend du temps de nous apprendre ça. Voilà, de trouver la culture. Donc, oui au romantisme aussi en aidant le mari. Voilà, en aidant le mari. Parce que dans le romantisme, il y a l'histoire de la devinette. Quand les femmes me disent souvent, j'aurais aimé que ça vienne de lui. Quand je lui demande et qu'il me donne, ce n'est plus la même chose. Ce n'est plus le même goût. J'ai dit, mais les femmes, vous ne connaissez pas les hommes. Un homme, je pense que les femmes mariées peuvent savoir. Il y a une question même à laquelle il a du mal à répondre. Qu'est-ce que tu veux manger? En général, j'ai dit, je ne sais pas. Hein. En tout cas, sois inspiré. C'est rare qu'un homme arrive à répondre exactement à cette question. Voici quelqu'un. Oui. Qui ne sait même pas ce qu'il veut manger. Lui-même, il ne sait pas. Maintenant, on va lui demander de deviner ce que l'autre va vouloir manger, qu'elle a envie de sortir tout de suite, qu'elle veut aller au cinéma. C'est la Bible même dit, demandez et l'on vous donnera afin que votre joie soit parfaite. Donc, wow. Je ne sais pas. Jésus même, qui connaît nos pensées, qui sait ce à quoi on a pensé avant de le dire, il dit, demandez. Demandez et l'on vous donnera. Il dit dans un pied, faites connaître vos besoins. Par des prières et des supplications. Le gars, il veut te donner. Il dit, j'ai tes os. Que tout ce que tu vas demander, je vais te donner. Mais il dit, il faut supplier. Il faut prier. Il faut jeûner avant que je te donne. Maintenant, les femmes, quand elles se marient, elles disent, non. Mon mari, lui, doit deviner. Il doit sentir que tout de suite, là, j'avais besoin d'une glace. Et pourquoi il n'a pas senti ça? Si je lui demande une glace, qu'il me donne, ça n'a plus le même goût. Ouh. Ma soeur. Waouh! Qu'est-ce que c'est? Donc, amen. Donc, le romantisme, souvent, n'est pas venu parce que les femmes ne demandent pas. Demandez, mon mari, ça me ferait plaisir qu'on aille au restaurant. Voilà. Vous allez aller au restaurant. Il faut donner un coup de pouce. Il ne faut pas dire non. Voilà. Toujours, c'est moi qui dois dire pour qu'on aille au restaurant. Bon, le gars, il n'a pas envie d'aller au restaurant. Sans restaurant, sa vie avance bien. Il n'est pas malheureux. Il veut aller au restaurant. Le riz sort chérie, de la maison lui convient. Allons, je veux qu'on aille au restaurant, me ferait plaisir. Et quand vous allez, ça se passe bien. Voilà, ça doit tout bien. Tout le monde y gagne. Il va prendre plaisir à continuer. C'est comme ça qu'il faut le faire. Il faut demander. Je veux qu'on prenne des vacances. Je veux qu'on voyage. Ça me plairait qu'on fasse ceci.
je pense ça, je demande. Et même quand il dit non, il faut supplier. Parce que souvent, c'est l'orgueil. Hein. C'est l'orgueil des femmes. Non, pourquoi il veut que moi, je ne dois pas lui demander. Il doit savoir que j'ai besoin d'argent. Et ma soeur, j'ai besoin d'argent. Est-ce que je peux en avoir? Ah non, s'il te plaît. Et puis, voilà, il faut supplier. Souvent, même là, Dieu, tu vas, oh, tu le chantes, tu l'adores, tu le célèbres. Tu sais que ton sujet est calé quelque part. Hein? Seigneur, je t'adore. Tu pleures quand tu dis, Seigneur, bon, tu vois. Je suis pas encore marié, tu vois. En fait, c'est pour ça que... Donc, à l'homme aussi, il faut savoir le faire, il faut savoir le célébrer. Souvent, ne pas aborder directement le sujet. C'est tout ça, la supplication, ouais, pour l'amener à le faire. Et c'est comme ça que, si Jésus même est comme ça, l'homme est un type de Christ dans la maison. Mm-hmm. Il va pas faire plus que ce que Christ est capable de faire. Waouh, les filles, on est vraiment bénies ce soir. Hein? On est bénies. Et pour terminer, justement, je vais rendre un petit témoignage. C'est pas un témoignage, c'est une vidéo que j'ai vue sur Facebook, parce que Léon a évoqué Facebook. Alors, sur Facebook, ils ont fait une petite mise en scène. Là, il y avait deux couples de jeunes. Et dans les deux couples, il y a l'un des couples qui paraissait très romantique. Donc, dans l'avancée, genre, il offre des fleurs à la fille. Quand ils arrivent quelque part, il y a comme un trou, il la soulève même pour la poser et tout. Donc, il avait des attitudes vraiment très, apparemment, romantiques. Et donc, les deux filles, c'était des copines. Donc, elles étaient là, chacune avec son fiancé, je suppose. Et au fur et à mesure, le romantique, là, il avait des attitudes, des gestes vraiment très romantiques, on va dire ça comme ça. Et l'amie qui avait le conjoint très russe, là, très brut, elle a commencé à penser, je crois que je veux changer, celui-là, il n'aime pas la ma hauteur, je veux un mari comme ma copine et tout ça. Et puis, au bout de la rue, au bout du parcours, il y a eu comme des gangsters, en fait, des loubards qui sont venus pour les agresser. Et chose incroyable, le romantique a fui. Le romantique a oublié qu'il avait une princesse à protéger. Il a pris ses jambes à son cou et c'est le rude là qui s'est battu avec le gang et tout et qui a réussi à protéger les deux filles. Donc, la morale, c'était que vraiment, il ne faut pas rester sur des choses émotionnelles comme ça. Yeah. Parce que bon, comme Pasteur Léon le dit si bien, il y a des bons dragueurs qui ne sont pas forcément des bons maris, des bons protecteurs qui ne garantissent pas l'avenir. Yeah. Voilà, donc on a été bénis ce soir par la présence de Pasteur Léon Kessy. On va encore acclamer le Seigneur. Alors les filles, j'espère que vous avez été bénies, que certaines de vos interrogations ont été abordées. C'est sûr, on ne peut pas répondre à toutes les questions, n'est-ce pas? Mais bon, par la grâce de Dieu, tout se trouve dans les enseignements. Il faut suivre Secrets de Femmes régulièrement. Il faut aussi se connecter à l'émission de Pasteur Léon Kessy, les lundis de l'harmonie conjugale. C'est tous les lundis à partir de 19h30 sur le compte Pasteur Léon Kessy. Kessy, c'est ça. Voilà, Pasteur Léon Kessy. Les filles, il faut y aller. Moi, je suis de temps en temps. Bizarrement, je tombe toujours dessus par inadvertance et ça me fait du bien. Donc, il faut se connecter à ce compte-là, il faut suivre Secrets de Femmes, il faut réécouter des capsules passées et vous verrez que toutes les solutions sont dites parce que c'est l'Esprit de Dieu qui nous mandate, c'est l'Esprit de Dieu qui parle au travers de nos vies. Si nous recevons la parole de Dieu, la Bible dit à tous ceux qui l'ont reçue, c'est important d'écouter, mais surtout de recevoir les conseils. Recevoir, c'est accepter et mettre en pratique les différents conseils qui sont donnés. Donc, nos conjoints, nos fiancés, nos cheminants, nos maris ne sont pas des extraterrestres. Ce sont des hommes en chair et en os, en esprit aussi. Et puis, ils ressemblent plus à Christ qu'on imagine. Si nous regardons dans la parole de Dieu, comme Pasteur Léon l'a si brillamment fait ressortir ce soir, ils sont à l'image de leur père bien souvent et nous, en fait, on se trompe parce qu'on voudrait qu'ils soient différents. Donc, restons connectés à la parole de Dieu, restons sensibles à l'Esprit de Dieu et on va voir que beaucoup de nos griefs n'en sont pas vraiment, beaucoup de nos reproches n'ont pas de fondement, en tout cas d'un point de vue de Dieu, et on pourra mieux s'en sortir. Il y a une sœur qui me disait
qu'elle est, enfin, elle me rendait un peu son témoignage. Elle a l'habitude de dire à Dieu, Dieu, ce méchant-là, je ne sais pas pourquoi tu continues de le bénir. En fait, elle ne s'entendait pas avec son mari et tout semblait bien aller pour le monsieur. Il progressait, il avançait dans la vie. Elle ne comprenait pas pourquoi Dieu pouvait être en phase avec quelqu'un avec qui elle n'était pas en phase. Mais le problème, c'est est-ce que Dieu et elle se tiennent sur les mêmes valeurs? Est-ce qu'ils ont le même barème? Est-ce qu'ils ont la même façon d'aborder les choses? Je crois que non, parce que la Bible dit bien clairement que Dieu bénit, n'est-ce pas, ceux dont il agrée les voies. Donc, si ton mari continue à être béni, continue de progresser, continue d'être épanoui, peut-être que c'est toi qui es du mauvais côté de la barrière. Je sais que ce n'est pas toujours facile à accepter pour nous les femmes, parce qu'on a le sentiment que c'est nous qui devons porter, c'est nous qui devons faire des efforts. Mais souviens-toi, c'est la femme sage qui bâtit sa maison. Yes. Voilà. Donc, on va terminer. Je vais prendre un mot de fin de chacune de nos invitées. On va commencer par Lynn. Lynn, est-ce que tu as un mot de fin? Moi, c'est Pasteur Lian, c'est de dire merci à Pasteur Léon parce que j'ai eu beaucoup de réponses à travers. Il y avait des questions, mais tout a été répondu. Vraiment, je pense que le début d'une guérison a commencé et vraiment, je me suis sentie vraiment honorée d'être sur ce plateau. Amen. Rosemonde. Merci, Pasteur Liliane. Merci, Pasteur Léon, pour les éclaircissements. Ce que je pourrais dire comme mot de fin, c'est vraiment, on a besoin de la chambre des secrets des hommes pour que nos hommes aussi soient, reçoivent des enseignements comme ça qui vont permettre à ce qu'ils soient aussi des maris qui vont faire du bien à leurs femmes parce que nous sommes bénis. Quand on suit Secret de Femmes avec maman, Pasteur Liliane, et on voudrait qu'ils soient également bénis par les tips et les astuces de leur devancer dans le domaine. Merci encore pour tout et puis que Dieu continue de vous bénir. Amen. Aïssata. Moi aussi, j'aimerais dire un grand merci à Pasteur Léon et à Pasteur Liliane parce que en tant qu'une jeune femme non mariée, je pense que Secret de Femmes, c'est vraiment comme des petites clés que je peux mettre dans ma boîte à secrets pour pouvoir les faire sortir et relever les défis plus tard. Donc, j'aime beaucoup cette émission et je suis très contente d'être là. Amen. Merci, Aïssata. Moi aussi, ça m'a fait plaisir de te recevoir. Donc, on est ensemble, toujours dans la chambre des secrets. Vraiment, toujours. Amen. Voilà, donc, nous sommes pratiquement au terme de l'émission. On va donner encore le micro à Pasteur Léon pour son mot de fin. Les filles, restez en place. On n'est pas pressé. C'est une affaire de bâtir notre avenir. Donc, ne soyons pas pressés. Vraiment, je rends grâce au Seigneur. Je bénis le nom du Seigneur pour cette émission, pour ce moment. Et je profite pour encore dire merci à Pasteur Liliane qui me fait le grand honneur, le privilège de m'inviter à cette émission. Voilà, je suis le moindre de tout. Je suis un tout bébé, mais je vois toujours dans le regard du pasteur Liliane beaucoup d'encouragement. Elle est un des plus grands encouragements pour mon ministère et je bénis Dieu pour sa vie. Et chaque fois, souvent quand le découragement veut venir dans l'œuvre, je me souviens que pasteur Liliane dit « Je crois en toi, tu vas y arriver, pasteur » et ces phrases-là sont restées gravées dans mon cœur et ça m'encourage dans le ministère. Et j'encourage toutes les femmes à être connecté à la chambre des secrets. Franchement, c'est du lourd, c'est des secrets puissants. Jésus a dit, si vous savez ces choses, vous êtes heureux, pourvu que vous les pratiquiez. Et tout à l'heure, Rosemonde disait, il est important qu'on ait la chambre des secrets des hommes. C'est vrai, c'est important. Mais je dirais, si les femmes suivaient vraiment la chambre des secrets des femmes, on n'aurait même pas besoin d'avoir la chambre des secrets des hommes. Parce que le problème de la chambre des secrets des hommes, Pasteur Liliane, c'est que le jour où on va sortir ça, 90% des auditeurs seront des femmes qui vont venir prendre tout ce qui sera dit et maintenant surveiller leur mari pour dire, quand le pasteur disait là, tu n'as pas écouté. Pourtant, et quand tu vas te rendre compte que la chambre des secrets des femmes, les hommes, il n'y a pas beaucoup d'hommes qui suivent parce qu'ils ont entendu les femmes. Donc, ils espèrent que les femmes vont écouter. Et ils ne vont pas venir dire à la femme, est-ce que tu as écouté? Ils ne font pas ça en général. Parce qu'il y en a qui font. Hein. Oui, non, il y a des hommes qui sont un peu malades maintenant sur la terre. Parce que Liliane a dit, voilà. Si, est-ce que tu n'as donc pas entendu? C'est un peu ça. Il faut vraiment suivre, les messages, les enseignements que le pasteur Liliane donne. Vraiment, c'est une grande bénédiction.
franchement, une femme qui suit ça et qui a des problèmes dans son foyer, franchement, non, je ne crois pas que ça puisse exister. C'est réel, c'est des choses qui vont vous donner du repos. Et comme souvent, ça appelle de l'effort. Beaucoup de femmes aimeraient qu'un matin se réveille, que l'homme ait changé. Ça ne se passe pas comme ça. Voilà, ça ne se passe pas comme ça, malheureusement. Ça demande à avoir du travail. Et le travail ne doit pas être fait sur votre conjoint. Ça doit commencer par vous. Ça doit commencer par vous. Mon expérience dans le suivi du couple, c'est que celui qui se plaint le plus dans un foyer est souvent le problème du foyer. Waouh. Est souvent le problème du foyer. Très souvent. Le plus plaignant, celui qui est le plus amer. Quand on va s'asseoir et écouter toutes les versions, on va se rendre compte que celui qui se plaint le plus, en fait, n'est même plus conscient de ses erreurs, wow. N'est plus conscient de ses manquements, est seulement conscient de ceux de son conjoint. Donc, ne fait plus les efforts qu'il devrait faire pour améliorer la situation parce qu'il est convaincu de sa raison. Donc, prendre ces enseignements-là, vous regardez en face de ces enseignements-là, tirer des leçons, prendre la résolution de les mettre en pratique au quotidien, tout doucement, chaque jour, demander au Seigneur la grâce, dis Seigneur, donne-moi la force d'y arriver. Donne-moi la force de faire ce pas-là. Donne-moi la force de faire quelque chose de plus, de pouvoir remplir ce que le Seigneur, tu attends de moi. Vous allez vous rendre compte que la force va venir, la grâce va venir. Amen. Vous allez pouvoir mettre en pratique ces enseignements-là et être épanoui dans votre couple. Voilà. Être heureuse, avoir du repos, parce que c'est possible, c'est possible. Le mariage, là, c'est Dieu qui l'a créé, ça veut dire que c'est possible, ça veut dire que dedans, il y a la joie, ça veut dire que c'est vraiment un endroit où on peut trouver le bonheur. Amen. Si on met en pratique les enseignements que Dieu donne au travers de ses serviteurs et qui sont basés sur la parole de Dieu. Donc, voilà ce que je peux dire pour mot de fin. On n'a pas pu aborder toutes les questions. Voilà, on avait une question sur, comment on va dire, l'homme qui a seulement de l'attention dans le lit. Voilà, pour cette question-là, je dirais aux femmes que pour l'homme, le lit, ce n'est pas la somme de la journée. Le lit, c'est un nouveau territoire. Voilà. Je ne sais pas si les femmes me comprennent. Ça veut dire que quand l'homme et la femme vont se coucher, là, le mari, ce n'est pas l'association de tout ce qui s'est passé dans la journée qui va venir conclure au lit. Ça veut dire que vous pouvez être en palabre, en froid, mais ça n'empêche pas un mari de s'approcher de sa femme. Pour lui, la guerre ne concerne pas le lit. Pourtant, pour les femmes, la guerre continue jusqu'à ce qu'il y ait la paix avant qu'on ne puisse... Non, non. Le lit, là, ce n'est pas un endroit pour faire la guerre. C'est un endroit où, justement, l'homme vient parce que c'est un besoin pour lui. Il ne va pas regarder sa... Même si ton mari est frustré, je t'assure que... Il est prêt. Dans sa frustration, là. Même si tu lui as parlé mal il y a 2 minutes, essaie de venir au lit, tu vas te rendre compte que « Ah, ce gars à qui j'ai parlé mal, là, en fait, c'est pas un problème, faut pas continuer. Mais... » Le lit est différent. Mais pour la femme, c'est « Ah, toute la somme de la journée, toutes les attentions qu'elle n'a pas reçues, qu'elle veut faire ressentir au mari dans le lit. » C'est une erreur. C'est vraiment une erreur de régler les problèmes dans le lit. Une fois, ma femme m'a dit « Normalement, une femme qui est dans le lit d'un homme, ça signifie qu'elle est prête. Parce que quand une femme ne veut plus du tout de son mari, elle fait chambre en part. Mais donc, c'est à l'homme souvent aussi. Je le dis pour les hommes, pour que ça veut dire qu'un homme aussi doit savoir que si elle est là, ça veut dire que quelque part, elle est déjà d'accord. Mais cherche à trouver les bons mots, la bonne chose pour l'amener simplement à le faire. Il ne faut pas forcément le faire avec brutalité, l'obliger à le faire. Si elle est là, ça veut dire qu'elle veut. Un peu quand même. Donc, avec un peu de patience et d'effort, vous pourrez trouver la réconciliation. Bon, parce qu'il ne faut pas gâter Aïssata. Ah, bon, Aïssata. Voilà. Bon, d'accord. Bon, je m'arrête là. C'est pour ça que j'ai utilisé le mot voilé. Voilà, donc, ça nous permet de faire vraiment la bonne conclusion et la bonne liaison avec le prochain secret de femme. Les filles, Pasteur Léon sera avec nous encore une fois vendredi prochain. Et vous savez quoi? On va commencer l'émission de vendredi prochain par cette histoire. Donc, tu ne dois pas rater le rendez-vous du vendredi prochain parce que l'homme de Dieu a encore d'autres secrets à nous partager, d'autres révélations à nous faire sur les hommes, ce qui est très important pour nous. Yes. Et puis, voilà, je crois qu'avec tous ces tips-là, par la grâce de Dieu, 2023...
dis avec moi 2023. 2023. Ah non, 2023 sera dangereux et... reposant. Reposant, merci. Et reposant pour les femmes que nous sommes, pour les femmes extraordinaires que nous sommes. On va donc terminer par la prière. On va baisser la tête et prier quelques minutes. Tu es chez toi, quel que soit l'endroit où tu es, je t'invite à prendre un temps de prière. Fais un peu l'introspection et puis identifie tout de suite les situations dans lesquelles tu étais en échec, mais qui ont trouvé réponse ce soir. Mets-toi devant le Seigneur. Peut-être que tu as besoin de parler un peu plus avec le Seigneur. On a parlé de la nécessité de déposer ses fardeaux au pied du Seigneur. Peut-être que tu as simplement besoin de lui dire, « Papa, je n'avais pas compris ceci, mais ce soir j'ai compris, merci. » Et donne-moi la force de le pratiquer pour sortir de l'impasse. Peut-être que tu as tout simplement besoin de dire, « Seigneur, donne-moi ta force. » Ou alors, tu as simplement besoin de dire, « Merci Seigneur, parce que je sais que tu m'as bâti, je sais que tu m'as formé. Je veux te dire merci de faire de moi une femme qui est ancrée dans ta parole et qui réussit dans son couple, qui réussit dans son cheminement, dans ses fiançailles, etc. » Dans tous les cas, tu as forcément quelque chose à dire au Saint-Esprit. Alors, je t'invite à baisser la tête avec nous et à invoquer le Dieu de notre salut. Demander que sa gloire vienne non seulement envahir l'espace où tu te trouves, mais aussi ton cœur et tout ton être. Seigneur notre Dieu, nous voulons vraiment te confier toutes choses, Papa. Viens prendre le contrôle, ô Dieu vivant. Merci pour toutes ces paroles fortes que tu nous as dites. Merci pour toutes ces révélations, ô Dieu vivant. Nous voulons te demander pardon pour toutes les fois où nous n'avons pas été à la hauteur, pour toutes les fois où nous avons eu de mauvaises attentes, pour toutes les fois où nous n'avons pas su redresser la barque sur la base de ta parole, ô Dieu vivant. Nous voulons vraiment te demander pardon. Pardonne-nous, purifie nos cœurs, Papa. Et donne-nous la force, ô Dieu de gloire, de nous relever. Donne-nous la force de reprendre le contrôle, Papa. Donne-nous la force de nous redresser et de continuer à bâtir cette maison, ce couple, cette relation que tu nous as donnée, Père. Merci pour tous tes bienfaits. Guéris les cœurs brisés. Guéris les cœurs frustrés. Guéris les cœurs blessés, ô Dieu de gloire. Dans le nom de Jésus. Ô Père, je prie que l'onction de la guérison, la grâce de la guérison, la grâce de la restauration, Papa, aille rejoindre chacune de tes filles, Père, au-delà, ô Dieu de gloire, de ce qu'un homme peut faire, au-delà de ce que la sainte parole peut faire, Papa. Viens toucher un cœur, viens transformer une vie, viens libérer une femme, viens, ô Dieu de gloire, apporter la paix, la joie dans la vie d'une femme ce soir. Dans le nom de Jésus, prends nos vies, Papa, prends nos cœurs, prends le contrôle de toutes choses et glorifie ton nom, Père. Nous prions que tu fasses de chacune de nous la femme de Proverbe 31, la femme idéale, la femme vertueuse, par la puissance de ton esprit, ô Dieu. Merci pour tout ce que tu fais. Béni sois-tu notre Dieu. Merci infiniment pour ces précieux moments. À toi seul la louange et l'honneur au siècle des siècles. Amen. Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur avec moi? Voilà. Nous n'en avons pas parlé depuis le début de cette émission, mais vous l'avez remarqué, nous sommes dans l'ambiance de Noël, nous sommes dans le décor de Noël. Et je voudrais souhaiter un joyeux Noël à toutes les femmes. Nous sommes à quelques heures, n'est-ce pas, de cette fête qu'on dit fête traditionnelle, mais pour nous, les femmes en Christ, nous savons que c'est la célébration de la naissance de Jésus-Christ, de Dieu qui a donné son Fils afin de démontrer son amour pour chacune de nous, démontrer son amour pour toute l'humanité, n'est-ce pas? Et nous voulons vraiment lui dire merci. Waouh! J'entends quelque chose. Waouh! Alors les filles, c'est vrai qu'aujourd'hui c'est le 23 décembre et c'est mon anniversaire, c'est vrai. Alors donc vous voyez là sur le plateau. Voilà. Vous voyez toute l'équipe de Secrets de Femmes.
Waouh! Waouh, 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 waouh! Waouh, 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 waouh! Quelle surprise! Waouh! Waouh! Ah, là, je comprends maintenant pourquoi Nadia me disait fais vite et tout. Waouh! Voilà, donc oui, effectivement, c'est mon anniversaire aujourd'hui. Merci, Léon. Léon tient le gâteau. Waouh! Merci, c'est écrit Secret de femme. Joyeux anniversaire, maman Lily. Waouh! Merci, merci à toute l'équipe. Merci. Joyeux anniversaire! Waouh! J'avoue que je suis émue. Donc, merci Léon. Léon se tient habituellement derrière les caméras. Aujourd'hui, il est du bon côté, là. Merci, merci à vous. Merci à toute l'équipe. Je pense qu'on va continuer la fête hors caméra, vu que le temps est beaucoup avancé. Je vous embrasse, toutes les femmes extraordinaires. Avant de nous séparer, je voudrais donner quand même quelques annonces. Nous ne devons pas oublier la traversée 2022-2023 des églises vases d'honneur. À Abidjan, il y aura un grand rassemblement au stade de l'Université d'Abidjan. Yes. Et puis dans toutes les villes, dans tous les pays vases d'honneur, il y aura la traversée. Donc si tu ne sais pas comment passer cette nuit très importante, rejoins, n'est-ce pas, une nuit de traversée dans une église vase d'honneur. Et puis, si tu appartiens à une autre communauté, je pense qu'il y aura des célébrations dans ton église. N'hésite pas à aller parce qu'il est important de franchir le pas, d'entrer dans 2023 dans la présence de Dieu. Je veux donc nous encourager à rejoindre les différentes célébrations de la traversée. Et puis, n'oublions pas aussi, qui dit 2023 dit un nouveau dévotionnel. Je sais que vous êtes certainement abonné au dévotionnel du pasteur Mohamed Sanogo. Le dévotionnel 2023 est là. Wow. Vous devez absolument vous le procurer. Et pour avoir travaillé avec pasteur Sanogo au projet, je vous assure que c'est something else. C'est vraiment la série de dévotionnels que vous ne devez pas manquer. C'est à l'image du Seigneur, mais être à l'image du Seigneur, c'est quoi? C'est être à l'image de sa joie, être à l'image de sa paix, être à l'image de son amour, être à l'image de son bonheur. Donc, rendez-vous est pris avec le dévotionnel 2023 chaque mois pour entrer dans des profondeurs incroyables avec le Seigneur et aller à la rencontre du bonheur. Donc, si tu n'as pas encore commandé ton numéro de janvier, fais-le maintenant avant qu'on ne soit en rupture de stock. Voilà, donc les filles, que Dieu vous bénisse, joyeux Noël encore. Je vous embrasse, j'embrasse tous vos enfants. Que la grâce du Seigneur soit avec chacun, avec chacune. Et on se retrouve vendredi prochain à quelques heures de la traversée. Bye bye. Joyeux Noël. Joyeux Noël. Merci, merci. Merci, pasteur Léon. Amen.